Bonjour à tous ces zippers et bienvenue sur Pixel Dojo. Aujourd'hui, c'est la première vidéo du nouveau format de la chaîne et ça sera donc sur les avis du dojo. Et aujourd'hui, on teste pour vous le jeu de combat de Bandai Namco, Dragon Ball Fighters. Grosse attente au niveau de Pixel Dojo. Il y a moi et surtout Kazuo donc, qui l'attendons fortement. Donc aujourd'hui, on va le tester pour vous, on va le décortiquer, c'est sur la bêta qui a eu lieu il y a quelques semaines. C'est parti. Donc voilà, avant de vous donner mon avis sur Dragon Ball Fighters, je vais rapidement vous expliquer en fait le concept la section Les Avis du Dojo, vu que c'est la première vidéo depuis le renouvellement de la chaîne. Donc, Les Avis du Dojo, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est assez straightforward. C'est Pixel Dojo qui donne son avis sur un jeu. Donc le but c'est pas de vous donner un avis professionnel, justement pas, au contraire c'est de vous donner un avis de gamer plutôt que de journaliste, simplement pour que vous puissiez avoir différents points de vue, et aussi parce que ben, souvent les journalistes ils sont peut-être biaisés un peu pour des raisons tierces que je ne vais pas vous dévoiler. Mais enfin voilà, donc ça vous donne un avis plutôt d'un gamer, donc c'est un avis relativement subjectif qu'on va agrémenter de quelques points objectifs. Mais voilà, donc c'est ça le concept des avis du dojo. Et maintenant, revenons à nos moutons. Donc nous sommes sur Dragon Ball Fighters aujourd'hui, on le teste. On se base que sur la bêta vu que le jeu n'est pas sorti. Donc j'avais reçu une clé de Bandai Namco. Je remercie d'ailleurs Bandai Namco pour m'avoir envoyé une clé pour la bêta fermée. Et donc je vais vous donner rapidement mon avis sur le jeu. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est Dragon Ball Fighters? C'est un jeu de combat 2D qui s'inspire, non qui ne s'inspire pas, qui se passe dans l'univers Dragon Ball, de Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Super. Il y a GT au milieu, bon, on ne sait pas s'il est dans le jeu, je vais pas vous refaire l'énième gag sur GT, c'est de la merde, enfin bref, on s'en bat les couilles de GT. Bref, passons. Donc d'abord, je vais vous donner les points négatifs, ensuite les points positifs, on fera une conclusion, et voilà. Donc, les points négatifs. Donc, tout d'abord, premier point négatif à mon sens, c'est la présélection des combattants. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que avant de vous lancer dans un match, vous devrez former vos équipes dans un menu séparé. Donc vous allez dans le menu, vous avez 10 slots pour former vos équipes de 3 combattants. Vous formez la première équipe, voilà, je prends Goku, Vegeta et C16, pourquoi pas. Tac. Première équipe, je vais en former une deuxième, une troisième, enfin, vous faites combien d'équipes vous voulez, et ensuite, vous devez présélectionner l'équipe que vous voulez utiliser, ensuite, dans le mode Quick Match. Tac, je présélectionne, je vais en Quick Match, je cherche un joueur pour jouer, j'en trouve un, bim, on enchaîne sur le combat, voilà, tac, 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 le combat est fini, on me propose, voulez-vous rejouer, voulez-vous chercher à nouveau quelqu'un? Ah oui, bien sûr. Donc je cherche, ça c'est cool, c'est rapide. Sauf que, disons, je veux changer d'équipe. Je fais comment? Bah, je suis embêté. Je dois sortir. Et ça c'est chiant. Je dois sortir du menu de recherche. Tac, je dois retourner dans la présélection des équipes. Je dois sélectionner mon équipe 2, voilà, parce que j'en ai marre de jouer avec Vegeta. J'ai envie de jouer avec Krillin. Enfin, bref. Tac, je sélectionne l'équipe 2. Et tac. Je sors, je retourne au quick match, tac, 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 je me retape 5 minutes de recherche, parce qu'en tout cas, dans la bêta, c'était comme ça, donc c'est chiant. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça, franchement. Dans tous leurs jeux, Bandai Namco, par exemple, si on prend Naruto, Ultimate, Ninja, bref, Storm, bon avec tout le reste des noms qu'il y a derrière, on peut choisir ses personnages à la volée. Beaucoup plus simple, voilà. Non, ça franchement, incompréhension totale. Ensuite, deuxième point négatif, à mon sens, c'est le fait qu'on soit divisé en serveurs. En tout cas, sur la bêta, c'était comme ça. Je comprends qu'il y ait des aspects positifs à être en différents serveurs régionaux, etc., etc. Mais faites un serveur régional pour la France, mais ne faites pas, divisez pas la France en 20 serveurs, ou je sais pas quoi. Dans la bêta, c'était comme ça, c'est-à-dire que maximum, on était 64 par serveur.
Du coup, lorsque je cherchais un match, soit je me faisais déco, soit des fois ça me prenait 10 minutes pour trouver quelqu'un. Moins il y a de monde, moins il y a de possibilités de trouver quelqu'un rapidement. Enfin bref, deuxième point négatif. Mais, et heureusement Dragon Ball Fighters, ça se résume pas à ça, il y a beaucoup de positifs derrière, en tout cas sur cette bêta. Moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, et si j'ai pris du plaisir, c'est notamment grâce au gameplay qui, à mon sens, et ça c'est un peu subjectif, ça dépend des goûts. Moi j'aime bien le gameplay qui envoie, qui est lourd, qui est rapide, tac, on enchaîne les combos facilement, pam pam, on envoie des Kikoa, on envoie des Kamehameha, on enchaîne derrière, et on se téléporte, enfin bref, ça envoie du lourd quoi. C'est rapide, c'est stylé. À mon sens, moi j'adore ça. C'est pour ça que Dragon Ball Fighters, c'est plus un Guilty Gear. Ça ressemble plus à du Guilty Gear qu'à du Street Fighter. À mon sens, c'est vraiment cool. C'est mon choix personnel. J'adore quand ça va, quand c'est fluide, quand c'est rapide. Et en plus, ça colle vachement à l'animé. Donc, rien à redire au niveau du gameplay. C'est vraiment au top. Ensuite, deuxième point positif, c'est franchement, et là, ça m'a épaté quand j'ai lancé le jeu, c'est les graphismes. Et l'art en général du jeu. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, les graphismes en cel-shading, magnifique. J'ai pas essayé en 4K malheureusement, parce que j'ai pas de PS4 Pro ou d'Xbox One X, bon, qui n'est pas sorti au passage. Mais enfin bref, j'ai joué en Full HD, mais même là, waouh. Magnifique, et c'est pas juste le cel shading, les graphismes en général, c'est tout en fait. Les effets de lumière sur les attaques, incroyable, la petite poussière qui se lève quand il y a un impact au sol, etc. Les transitions, là vous venez de voir une transition de Freezer, waouh, incroyable, il y a de la lumière, ça pète sur les attaques spéciales, sur les même les petits Kikoa, c'est bien quoi. En plus, derrière, il y a une bande son, des effets de son qui sont top, au top, tout ça marié avec un gameplay aux soins par Bandai Namco. Ils sont connus pour faire des bons jeux de combat. La série des Naruto Ultimate Ninja, c'est des bons jeux de combat. C'est 2D en plus. C'est franchement, à mon sens, c'est un cadeau. Ce jeu, c'est un cadeau. C'est Bandai Namco qui nous fait un cadeau. Ils nous disent, voilà, vous êtes fan de Dragon Ball, vous aimez les jeux de combat. Vous avez attendu ce jeu depuis la sortie début d'Budokai à l'époque où c'était en 2D. Voilà, c'est cadeau pour vous, prenez-le, faites-vous plaisir. Et c'est ça, là, en conclusion. C'est ça, c'est que les deux petits points négatifs que je vous ai dit au début, c'est tellement insignifiant par rapport à l'enrobage. Ça fait vraiment beau, ça fait fan service un peu, c'est vrai. Mais on s'en fout au final. On s'en fout, on prend du plaisir à jouer, c'est rapide, c'est cool, ça colle à l'univers Dragon Ball, ça fait plaisir de retrouver ces personnages qui se foutent sur la gueule, Son Goku et Vegeta, voilà, c'est cool quoi. Donc, en résumé, super jeu, je rappelle que je me base sur la bêta fermée de Dragon Ball Fighters. C'est pas le jeu final, mais le jeu final ça m'annonce encore mieux parce qu'il y aura du solo, il y aura d'autres modes, etc. etc. Donc, ça ne peut, au final, je suis super confiant. On l'attend fortement sur Pixel Dojo, on est plusieurs à l'attendre. Mais franchement, vivement, vivement février, vivement février, qu'il sorte et qu'on puisse jouer comme des petits fous dessus. Donc voilà, c'était mon avis sur Dragon Ball Fighters en basant sur les quelques heures que j'ai pu faire sur la bêta fermée d'il y a quelques semaines. Avant de vous quitter, ça va devenir une coutume pour tout ce qui sera les avis du dojo. À la fin de la vidéo, je vous dirai toujours s'il faut l'acheter en day one, s'il faut attendre un petit peu que ça baisse de prix, si ça baisse de prix, des fois il y a des jeux qui baissent pas malheureusement, ou s'il faut, non. Carrément, skipper, n'achetez pas, c'est une bouse. Et là, franchement, je vous le dis, précommandez-le. Précommandez-le, parce qu'en plus, si vous le précommandez, vous aurez deux personnages exclusifs qui sont Super Saiyan Blue Goku et Super Saiyan Blue Vegeta. Donc, si vous kiffez les nouvelles transformations Super Saiyan de Dragon Ball, eh ben, il faut préco le jeu.
Moi, je l'ai pas encore préco, mais je vais bientôt le préco. Donc voilà. Donc c'est tout. C'était l'avis de Pixel Dojo sur les avis du dojo sur Dragon Ball FighterZ. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça... surtout que on vous a convaincu et que vous allez acheter le jeu si vous êtes fan, franchement, de Dragon Ball et des jeux de combat. Même si vous n'êtes pas fan des jeux de combat, si vous êtes fan de Dragon Ball, n'hésitez pas, achetez-le. Ça sera juste incroyable. Donc voilà, c'était Zipper, je vous dis au revoir et on se retrouve sur une prochaine vidéo. A plus !